Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh ben oui, un haul maillot de bain, c'est parti. Alors j'avoue qu'en ce moment, porter des maillots de bain, ben c'est chose que je ne fais pas puisque le temps est chaotique, hein. Je ne sais pas si d'ici fin août ou septembre, on aura du beau temps, mais là j'avoue que ça pèse un peu sur le moral. On a énormément de pluie. Après, quand il fait gris, il ne fait pas trop froid, mais c'est pas un temps à mettre un maillot de bain. Bref, j'ai quand même des pépites en maillot de bain à vous faire voir, un peu fun, un peu comme moi, plein de couleurs. Allez, on commence. Premier maillot de bain. Vous allez me dire, mais non, c'est quoi ce truc? Si! Le premier maillot de bain, qu'est-ce qu'on a? Je me souviens plus. Mais bon. On a de l'écaille de poisson. Ah non, c'est pas un maillot de bain. Ah mais c'est mort, je rentre pas là-dedans. Non. C'est pour mettre mon bras, ouais. Mais il y avait des tailles, j'ai pris trop petit. Regardez ce que c'est. Une queue de sirène en maillot de bain. Non mais j'adore, quand j'ai vu ça, j'ai dit en une. J'ai pris trop petit, regardez. Non mais bon, c'est sûr, je ne rentre pas dedans, hein. Non, c'est d'ici, ça passera pas. Par contre, Léna, oui. Donc je pense que je vais le faire essayer à Léna. Ça aurait pu être fun d'aller à la mer et qu'elle le mette et je fasse une photo dans les dunes ou au bord de la plage. Pourquoi pas? Si vous avez une piscine et puis des enfants qui aiment bien se prendre pour Ariel, ça c'est top, mais c'est vrai que pour une maman, j'avoue, moi, ça me dérange pas hein, de me déguiser en Ariel. Mais voilà, sachez que sur Shein, on a ce genre de choses et c'est marrant. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai un code promo, c'est 5 sur Rêve Bleu. Vous avez droit à 15% de réduction dès le premier achat. Bon, pour Léna, ça n'ira pas, hein. C'est trop petit, je savais, je me suis trompée. En fait, il y a des pressions au pied. Voilà, au cas où, si vous voulez l'enfiler, mais ouais, c'est trop petit pour Léna. Sinon, elle s'est tapée des barres. Ouais, non, franchement, c'est marrant. Allez, on continue. J'ai ça. Alors, celui-ci, j'avais trop hâte de le recevoir parce que c'est vraiment des couleurs que j'adore. Plein de couleurs. Alors, il est en deux parties. Ça fait trop beau. Oh là là, j'adore. Ça fait très Katy Perry, quoi. Ah, j'adore. Regarde ça. Et le bas, il est très beau. J'adore. Allez, j'essaye. Alors franchement, gros coup de cœur. Alors faut aimer, hein. Mais moi je kiffe quoi. C'est tout à fait moi, plein de couleurs. Et franchement, regardez devant. On a une méga coupe. Magnifique, magnifique. C'est une culotte toute simple, mais ça va, ça cache quand même mes cicatrices. Mais gros coup de cœur. Ah là là, plein de couleurs comme ça. Après l'effet brassière dans le dos, je suis pas fan. Là, on peut resserrer quand même. Mais le devant, j'adore. Alors celui-ci, je le garde, ça c'est sûr. Gros, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai celui-ci. Il a l'air un petit peu plus sobre. Ah, c'est un 3 pièces. Dans les tons un peu gris-bleu, ça change. Hein. J'essaie vraiment de varier les couleurs à chaque fois. Donc il est comme ça. On a le haut avec le petit nœud. Dedans, il y a une sorte de filet. C'est bizarre. Hein. La culotte. Une culotte un petit peu montante, hein, pas trop. Ah, regardez, on a le petit détail sur le côté, voilà. Et on a un kimono. Hein. On m'a disputé. Arrête de dire que c'est des pareos, c'est des kimonos. Oui, bon, allez, on m'avait compris, quoi. Donc, c'est un kimono, voilà. Gris comme ça. Allez, j'essaye. Ensuite, pour celui-ci. Alors, je dirais que c'est un basique, un culotte normal. On est très bien dedans. C'est un haut brassière. Vous avez le petit kimono avec. C'est un court, hein, cette fois-ci, parce que parfois, il y a des longs. Très joli, tout simple. Sachez que vous avez genre un 3 pièces pour 16 euros, quoi. 16, 15 euros, sans compter les réductions des codes promo. Donc, ça vaut quand même le coup. Celui-là, je valide, j'aime bien. Ah, faut faire un petit nœud, là. Il s'est enlevé. Ici, c'est un nœud, hein, voilà, comme ça se tient comme ça. Donc, je valide. Ensuite, un noir. Il est beau, hein. Ah, il est classe. Par contre, ah oui, regardez, il y a un élastique. Je pense que ça doit gratter, non? Par contre, il est très joli. Il a l'air assez échancré, hein. Et le haut, comme ça. Franchement, il est canon. Il est canon. Ça fait très classe. Et, voilà, j'essaie de varier vraiment les couleurs, les formes. Donc, pour celui-ci, on a le détail avec les paillettes. C'est très, très beau. Mais le problème, c'est que si je lève les bras, ça remonte. Il est juste un peu trop petit pour moi au niveau du haut, sachant que la coque, elle est mal mise. Il est beau, mais voilà, moi, il est trop petit. C'est-à-dire que si je lève, ça va pas. Et là, j'aurais bien aimé un petit peu plus haut. Mais sinon, franchement, il a une belle coupe. Hein. C'est juste une erreur de taille. Mais s'il vous plaît, hein, je vous mets le lien en barre d'infos, comme d'habitude. C'est un basique, il faut dire. C'est un basique, culotte simple, haut simple. Avec le petit détail doré là, ça fait super bien. Et le dernier en XL, comme ça. Alors, attendez. Il est chelou. Ah oui, donc là vous avez le haut brassière, comme ça, et le bas, comme ça, attaché avec un anneau. Ok, bon écoutez, comme je vous ai dit, bien changer les formes, allez je teste. Ensuite pour celui-ci, ça fait très années 90 je trouve, j'ai un peu galéré, parce qu'en fait il faut enfiler la culotte, alors vous passez vos jambes d'abord là, et après vous enfilez quoi, c'est un peu relou. L'effet brassière dans le dos, j'aime pas trop, ça je vous le dis, le devant est très original, hein, c'est joli, on a le petit anneau ici.
La culotte est noire, simple et montante. Juste, c'est pas le genre de maillot de bain que je mets, mais voilà, j'aime bien, comme je vous expliquais, un peu changer les modèles. Et vous voyez, sur Shein, on a vraiment de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré comme maillot de bain, bien sûr. Donc voilà, pour cette vidéo spéciale maillot de bain Shein, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Moi, mon coup de cœur, c'est celui de toutes les couleurs. Ah, franchement, je l'adore, je l'aime d'amour, il est trop beau. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. On se retrouve à très vite, mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!